Franciériennes, Franciériens, bonjour. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur des terres lorraines, les terres de Michel Contignon, l'éleveur de Rialco, l'éleveur des Tieppes également. Nous allons voir dans un instant. Ah bonjour Michel, tu vas nous présenter, je crois, une jument, une pouliche qui est chère à tes yeux, c'est ça? Tout à fait, c'est une petite sœur de Rialco, fille de polyglotte, qui a 3 ans, qui s'appelle Elite Lida, qui a débuté cette année deux fois en haie, deux fois quatrième, qui a montré quelques moyens. Certes, peut-être pas de la trempe de Rialco, mais sûrement de bon augure, puisque une pouliche de 3 ans qui débute en obstacle venant de mon élevage, en AQPS, c'est extrêmement rare. C'est plutôt rare. Elle l'a fait donc avec deux bonnes places, c'est qu'elle a certainement un petit peu de qualité. Et son programme, elle, pour l'hiver, c'est repos. Voilà, elle est repos là depuis le mois de juillet. Et elle repartira au travail fin décembre, début janvier pour être prête pour les bonnes courses de 4 ans en début d'année. Et Michel, tu voulais nous présenter une autre pouliche, c'est celle-ci, l'Alzane. Exactement, c'est une pouliche, une fille de Itzogino, donc les premiers coups d'Itzogino en France. Et comme vous avez pu le voir sûrement sur France Cire, avec les photos, la présentation d'Itzogino, elle est très bien faite, un peu comme son père, très puissante, avec beaucoup de points de force. Sa mère est Naltiepi, une fille de Don Alco, et malgré c'est pour ça qu'elle est alzane, je pense que c'est Don Alco qui ressort, le gris de Don Alco. Mais c'est une pouliche qui a de nombreux espoirs, et comme tous les poulains d'Itzogino, l'Est a misé beaucoup sur Itzogino, et on y croit dur comme fer. C'est un cheval qui a un excellent pourcentage de réussite, et on pense... avec le peu de produits qu'il a, le résultat qu'il a, on est sûr que c'est un étalon améliorateur. Merci Michel. Voilà.